Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex. Comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti ben voilà, pour une petite vidéo explication, point, etc. sur ce qui s'est passé ces derniers jours, on va dire, sur la chaîne. Donc, on va un petit peu résumer, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé, ce que vous avez pu constater, je pense. Ben, c'est-à-dire que on va faire, je vais vous faire un petit peu la chronologie. Samedi soir, j'étais tranquillement chez moi en train de regarder le live Twitch de All-Star Eleven. Donc, super, je me régalais. Et je reçois un petit message Discord d'un de mes modérateurs sur le serveur Discord. Je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore fait. Qui me dit, est-ce que tu as vu ce qui se passe sur ta chaîne? Je lui dis, bah non, pas du tout, on va aller voir. Et il m'envoie une petite capture d'écran avec des vidéos complètement bizarres, de tutos, de cracks, de je sais pas quoi. Donc bah, j'ai le temps en fait de supprimer ces vidéos. Et je me dis, bon, bah, il y a quelqu'un qui a dû réussir à choper mon compte, mais je sais pas comment. Donc bon, je vais vite aller modifier mon mot de passe. Et là, impossible, ça m'avait déconnecté de partout. Donc, entre guillemets, j'avais perdu mon compte, quoi. Je pouvais pas me connecter. Mais sauf que je comprends pas, c'est que mon compte, j'ai la double authentification qui est activée, donc où dès que je veux me connecter mon compte Google, ça me demande de vérifier avec mon téléphone, ça m'envoie un code sur mon téléphone que je dois valider, etc. Et j'avais également le coffre-fort avec Google Authentificator. Donc la double authentification Google Authentificator, c'est un code de 6 caractères en fait qui est sur une application téléphone. Et qui se régénère toutes les minutes, il me semble, avec Google Authenticator. Et même là, en fait, ça s'était bloqué. J'ai tenté de modifier mon mot de passe, mais ça ne pouvait pas l'adresse. L'adresse de récupération avait été aussi modifiée. Donc, c'est quand même fort, je ne sais pas comment la personne a fait. Ça doit être des bots ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, je ne sais pas du tout comment je me suis fait avoir. Parce que tous les mails un petit peu suspects, etc. que je reçois, je m'y connais un petit peu, je ne les ouvre pas, je n'ouvre jamais les pièces jointes, les liens, les trucs comme ça. Donc. Pour moi, c'est pas lié à ça et j'explique pas, je sais pas du tout. J'ai bien regardé après mon historique de navigation, voir si j'avais pas, même en cliquant peut-être sur une pub, sur une connerie ou quoi. Mais non, rien du tout. Donc je sais absolument pas comment ça s'est fait. Et bien sûr, bah, une fois que j'avais perdu l'accès, ça devait être quoi, 23h, le mec a continué de défiler des vidéos, enfin des vidéos de crack, de. Je les ai sous les yeux là, il y a quoi? Il y a Adobe, il a fait tous les logiciels Adobe. La suite Office, After Effects, Wondershare, enfin voilà, plein de logiciels qui forcément sont payants, mais les liens, à mon avis, hein, j'ai pas cliqué dessus, j'espère que vous non plus, à mon avis, c'était pour hacker d'autres comptes de ce que j'ai vu. Donc en plus, il y avait des bots qui étaient là pour regarder la vidéo, pour faire des vues, puisque les vidéos en 2 minutes, elles faisaient 5 000 vues, un truc comme ça. Donc avec des plein de faux commentaires bien évidemment pour dire merci, ta solution marche, etc. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes douté, bien évidemment, c'était pas moi qui étais l'auteur de ces vidéos, parce que ben, je fais clairement pas ce genre de vidéos. Des trucs qui en plus écrit en anglais, etc. Dans la description partout. Ça pouvait pas être moi que je réponde pas à certains commentaires qui me demandent si ça craint pas et tout. Donc voilà. Je pense que vous en êtes douté. Si des fois. Vous avez cliqué sur les liens parce que vous n'étiez pas trop au coin, etc. Bien votre mot de passe Google, etc. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu le point de situation. Donc moi, ce que j'ai fait très rapidement, c'est que samedi soir, en plus c'était le week-end, il y a un numéro d'assistance Google, mais qui n'était pas disponible. Donc j'ai contacté mon network. Mon network, voilà, c'est ceux qui gèrent un petit peu le paiement de la chaîne YouTube, etc. Mais ils ont une main aussi et des contacts chez YouTube pour faire avancer les choses. Donc, j'ai pu me connecter à cette plateforme vu que j'ai lié aussi mon compte Twitter en fait avec mon network. J'ai pu me connecter comme ça vu qu'avec l'authentification avec Google était bien sûr bloquée. J'ai du coup, grâce à ça, contacté mon network avec une autre adresse mail que j'utilise et je leur ai donné toutes les infos. Donc, ils sont occupés d'ouvrir en fait eux-mêmes un ticket chez YouTube pour moi. Donc forcément, eux, ils ont plus de poids, ils ont les bons contacts, etc. Donc ils ont pu directement avoir la bonne personne. Donc ça, j'ai eu la réponse dimanche, hein, de la personne. Et honnêtement, je ne sais pas si la personne regarde la vidéo ou quoi, mais en tout cas, exceptionnel, franchement, un grand merci à lui parce qu'il a été vraiment au top.
sur le suivi de A à Z, il m'a répondu dimanche matin jusqu'à mardi. Donc il m'a répondu à chaque fois sur les bonnes choses, les choses à adopter, ce qu'il fallait envoyer, les informations que YouTube avait besoin, etc. Donc de là, YouTube est rentré en contact avec moi sur mon adresse mail, on va dire, de récupération. J'ai dû prouver mon identité, machin et tout. Et il m'a envoyé en fait plusieurs liens. À chaque fois, je devais faire des tests pour essayer de récupérer mon compte. Donc à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Parce que la personne avait, avait changé l'adresse mail principale, qui n'était plus la mienne, donc avec une adresse bidon, avait changé l'adresse de récupération, le numéro de téléphone de récupération, le facteur de double authentification a été modifié, et la personne avait activé en fait la sécurité pour se connecter au compte avec une clé USB. Donc une clé USB qui a une signature numérique dessus, et qu'on doit brancher si on veut accéder à notre compte. Donc voilà, il avait quand même fait pas mal de choses. Bon, après, à mon avis, c'est des bots, hein, tout est préparé, c'est un coup classique d'après ce qu'on m'a dit. Mais voilà. Et donc voilà. Lundi, ils m'ont envoyé pas mal de choses, YouTube, pour que j'essaye voilà, de récupérer. Il n'a pas marché. Et mardi matin, là, on m'envoie un lien. Ça y est, voilà, vous avez bien prouvé que c'était vous, votre identité, avec toutes les questions qu'ils m'avaient posées. Et ils ont pu me fournir un lien pour changer mon mot de passe. Une fois que j'avais changé mon mot de passe, j'ai dû leur envoyer des informations pour bien prouver que c'était moi qui avais modifié le mot de passe, machin. J'ai tout resécurisé comme avant parce que c'était quand même au max de la sécurité. Même mon mot de passe, pour le deviner, il fallait être assez bon parce que c'était un mot de passe aléatoire de 34 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc même moi des fois je le connaissais pas par cœur mon mot de passe. Donc voilà. Donc là j'ai tout remodifié, machin. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Donc peut-être une faille chez Google ou machin. Mais passer avec le double authentification. Donc, faites attention aussi les gars quand même à vos comptes. Vérifiez bien que vous ayez activé de toute façon, le plus vous mettez de facteurs d'authentification et de sécurité, plus ça sera bon. Après. Bon, c'est pour le coup, moi, c'est pas ce qui m'est arrivé parce que je sais très bien ce que j'ai fait. Mais si vous recevez des mails suspects, des liens que vous n'êtes pas sûr, ne cliquez pas dessus, ne les ouvrez pas, n'ouvrez pas de pièces jointes. Ça, je vais vous rabâcher des trucs, on va dire basique, mais voilà, faites gaffe. Et si, comme j'ai dit, vous avez cliqué sur les liens, modifiez votre mot de passe et vérifiez bien l'intégrité de votre compte. Supprimez également votre historique de navigation et vos cookies de navigation. Si vous avez cliqué sur ces liens comme ça, voilà, mettez un petit peu à l'abri. Donc voilà, 3 jours où j'étais un petit peu en stress. En plus, je pouvais pas vous répondre parce que j'ai essayé de créer un compte avec le deuxième Gmail du coup que je me suis créé pour pouvoir leur envoyer des mails, etc. J'ai essayé de me créer un compte secondaire pour répondre en fait à tous les commentaires de toutes les personnes qui disaient est-ce que tu t'es fait pirater, comment ça se passe, machin et tout. Et je ne pouvais pas. Dès que je faisais une réponse à un de vos commentaires, mon commentaire était immédiatement bloqué. Et je pouvais pas du tout y répondre en fait. Donc c'était un peu compliqué. Là aussi, donc j'ai communiqué pas mal sur mon Discord. Donc ceux qui l'ont, voilà. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est sur ce Discord aussi. Donc voilà, tout le monde n'était pas prévenu. Donc on va pouvoir reprendre, on va dire, les vidéos normales avec un bon petit planning que je vous ai prévu. Vous voyez la date, on est fin novembre, début décembre, la saison de biathlon. Qui va reprendre, donc on va reprendre une petite carte sur NGL Biathlon. Il y a la série Giro 2015 que j'ai sorti samedi, donc du coup les deux dernières vidéos qui sont sur la chaîne, le Giro et la carrière Uno X, ce début de Tour de France qui est assez sympathique, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu, allez voir les deux dernières vidéos du coup, celle-ci à aucun, vous pouvez les regarder, ça a bien été posté par moi, il n'y a pas de clic suspect dans les liens de la description, etc. J'ai toujours rechecké d'ailleurs si mes liens qu'il y avait, ils les avaient pas modifiés pour usurper ou je sais pas quoi, mais non, tout est nickel, tout est clean, pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, voilà, on va reprendre un planning normal. Alors, la prochaine vidéo, ça sera samedi. Là, cette semaine, on va dire, on va rester un petit peu tranquille le temps que tout le monde voilà, voit bien cette vidéo d'information pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur la chaîne, très clairement. Je sais pas si je la laisserai indéfiniment, on va dire peut-être une semaine, le temps que voilà, tout le monde puisse voir la vidéo. Et ensuite, on se retrouvera du coup samedi pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera du pro team, je crois.
avec un début de Tour de France. Vous allez voir, j'ai déjà tourné un petit peu particulier, mais vous verrez samedi, très sympa aussi. Donc il y a le Pro Team, voilà, toutes ces séries Pro Team, Pro Leader qui vont continuer. La carrière Uno X, on avance bien. La carrière de Lenny Martinez que vous aimez beaucoup. Cette petite série Giro 2015 que tu me fais bien kiffer. Vous aussi, vous l'avez bien kiffé, même si je pense que pas tout le monde l'a vu, parce qu'il y a eu ce problème avec la chaîne, etc., qui était bloquée, avec ces vidéos un peu suspectes et tout. Bon, bref, là, tout est revenu dans l'ordre. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Et ensuite, au niveau, voilà, et au niveau des nouvelles séries qui vont arriver, notamment NGL Biathlon, et ça, je sais que c'est un gros kiff pour vous. Vous aimez beaucoup ce genre de vidéo. Donc, voili voilou, hein, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je préférais vous faire une vidéo un petit peu comme ça. Réaction à ce qui s'est passé, vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a eu. Et du coup, voilà, que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Et pas repartir directement avec une vidéo, avec une série, etc. Et repartir plutôt avec la vidéo qui permet de mettre au clair tout ça. Voilà. J'espère en tout cas que c'était très clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Parce que vous voyez qu'il y a des gars très efficaces sur le Discord. D'ailleurs, je les salue, mes modos, qui ont essayé de répondre aussi à des commentaires sur le YouTube. Qui m'ont averti très rapidement sur le Discord. Donc voilà, merci à eux. Et rejoignez le Discord, n'hésitez pas, les gars, il y a plein d'infos. Vous pouvez aussi discuter, pas forcément avec moi, mais avec les autres. Je sais qu'il y a pas mal de discussions sympas. Il y a des gars très actifs d'ailleurs sur différentes channels sportifs, notamment voilà, tennis, football en ce moment avec la Coupe du Monde. Vous avez bien sûr vélo. Il y en a qui parlent de jeux vidéo, il y en a qui parlent de tout et de n'importe quoi. Autre sport aussi avec de l'athlétisme, la biathlon va reprendre avec la saison de ski. Donc voilà, il y a pas mal de sujets intéressants, donc n'hésitez pas aussi. Et vous pouvez faire de nouvelles connaissances, de nouveaux compères, j'ai envie de dire, autour d'une même passion. Donc voilà, n'hésitez pas, tout ça c'est dans la description. Il y a mon Twitter également où je mets des fois des infos, j'avais notamment mis cette info-là. Donc voilà. Et nous on se retrouve samedi donc pour une nouvelle vidéo. Ça sera un retour sur des vidéos normales et pas des vidéos pour craquer Photoshop, pour craquer la suite Office, pour craquer je sais pas quoi. Ça sera des vidéos plus dans mon domaine d'activité. J'ai envie de vous dire. J'espère en tout cas que c'était très clair pour vous, que ça vous a plu. Je pense pas, mais vous avez tout compris. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Et je vous dis à samedi, les gars. Portez-vous bien d'ici là. Faites attention à vos comptes Google, faites attention à tout ça, voilà. Et à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.